Et salut, c'est pour un nouveau épisode sur les. Allez. Je confirme. Allez, c'est parti pour un tour. Après un long voyage à travers la Donc contrée je laisse la et cinématique. au-delà de ses frontières, Bilbon et Gandalf le Gris Heureux! rattrapèrent la compagnie des nains. Leur aventure était sur le point de commencer. Alors parfois ma cam bloque dans les cinématiques, alors il faut pas s'inquiéter. J'espère que le son est bon. Attendez! Je l'ai signé. Bienvenue, Monsieur Sake, dans la compagnie de Thorin Écu de Chêne. Allez, c'est parti pour un tour. Voilà, pendant les cinématiques, parfois ça bug. Là. Oh non, non, attendez, attendez, arrêtez-vous! Une pomme. Je l'ai pas. Je l'ai pas. Malheureusement, je l'ai pas. Ah, ok. Ok. Ok, je vois. Oh my god. Oui. Le truc. On va se faire le Lego Ninja.
Les Go Ninja, ça sera très prévu. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Des orques. Il y en a des douzaines dans le coin. Vous trouvez ça drôle? Vous pensez qu'une attaque d'orques est une plaisanterie? On ne pensait pas à mal. Vous ignorez tout du monde. Ne t'en fais pas, mon gars. Thorin a plus de raisons qu'un autre de détester les orques. Après que le dragon eut pris la montagne solitaire, le roi Tror tenta de reconquérir l'ancien royaume des nains, la Moria. Mais notre ennemi était déjà dans la place. Oh my god. Alors le son du jeu, ça va? La Moria avait été prise par des légions d'orques, conduites par le plus ignoble de toutes leurs races. Okay. Ok, je vois le genre. Parti. Oh my god. Azog, le profanateur. Le grand Torg de Gundavad s'était juré d'éliminer la lignée de Turin. Allez, on va les battre. Oh my god. On voit qu'il passe seul pour vaincre les ennemis. Rien en gros. Allez. Ah.
gaffe au moins. Alors comment vous trouvez? Moi je trouve il est pas mal. Allez, je peux le battre. Ok. Alors c'est comment tu trouves le jeu pour l'instant? Il se battait seul. Il n'avait plus qu'une branche de chêne pour se protéger. Oh my god. Ok, ok, je vois le genre.
Et... Je peux le faire. Waouh. OK. Calmer. Ouais. Allez. Parti pour la baston. Ouais, voilà. Non. MDR. La main qui se bat. Ah mais sans blague. Azog avait été vaincu. Azog. Et je me suis dit alors, il y en a un. Je pourrais appeler roi. Ok. L'orc pâle, qu'est-il advenu de lui? Cet être infâme est mort de ses blessures depuis longtemps. MDR, il téléphone comme par hasard. Allez, je continue. Hein. La compagnie leva le camp avant de reprendre la route, tandis que les récits échangés la veille résonnaient encore dans l'esprit de Bilbon. Les aventuriers se dirigèrent vers l'ultime pont menant à la vallée du Bois des Trolls. Ah, ça je... Bon.
Ok. Nous avançons, toujours, au calme. Dites, vous auriez un moment à m'accorder? Si vous aviez prévu de passer dans le bois des trolls, ouais. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Ouais. J'étais venu réparer le pont, mais je me suis fait un tour de rein en soulevant le premier morceau. Franchement, c'est assez embarrassant. Si vous êtes vraiment pressé, peut-être pourriez-vous essayer de le construire vous-même. Ok. Voilà. Alors le petit jeu qui m'énerve plus. Voilà comment construire. Voilà. Donc là, j'ai en train de construire le pont. Ah, mais sans blague. Oh. Vous avez fait ça comme si de rien n'était. C'est encore plus embarrassant pour moi. Mais peu importe. Ce qui compte vraiment, c'est que vous ayez réparé l'accès au bois des trolls. Tenez, pour vous. J'ai été payé en avance, mais... comme vous avez fait tout le boulot, je trouve ça normal que ça vous revienne. Oh, merci. Ne vous attardez pas après la tombée de la nuit. L'endroit devient dangereux. La compagnie trouva refuge pour la nuit dans les ruines d'une ferme. D'accord. Nul ne savait pourquoi cette ferme avait été abandonnée, manifestement à la hâte. Cependant, à n'en pas douter, l'endroit avait été saccagé par quelque chose d'imposant. On va passer la nuit ici. Ok, on va passer la nuit ici. Je crois qu'il serait plus sage de se remettre en route. Nous pourrions aller jusqu'à la vallée cachée. Je ne m'approcherai pas de cet endroit. Nous avons une carte que nous ne pouvons pas lire. Je n'ai qu'à faire de leurs conseils. Tout va bien? Ouais, tout va bien. J'ai eu assez à faire au nain pour aujourd'hui. Est-ce qu'il va revenir? Ok. Que se passe-t-il? Des trolls. Accordé. Il emmène Myrti et Minty. Ils vont les manger, nous devons faire quelque chose. En tant que cambrioleur, vous pourriez étudier la question? J'ai pas peur de lui, je me sens prêt. Est-ce que vous êtes sûr que c'est une bonne... Il n'y a aucun risque, nous serons juste derrière vous. Ok. Du mouton hier, du mouton aujourd'hui, et que je perde un œil si c'est pas encore du mouton demain. Arrête de râler. C'est pas du mouton, c'est des canassons. Ok, je pense. C'est qui ça?
Faut juste une pincée de crotte d'écureuil. Tu vas vider ces canassons. J'aime pas les voyous, ça pue. Ouais, j'ai pas compris. D'accord. Ok. Donc là, crabe. MDR. Sans blague. Peut-être que ça donnera du goût. Ok. Ok. Voilà, déjà un cheval. Oh my god. Le deuxième affaire. J'ai l'estomac qui gargouille. Faut que je chiffre à morceaux. Ferme ton clapet. Tu mangeras ce que je te donnerai. Doucement mais sûrement, tu vois. Hop, voilà. Ah.
Ok. Je peux le faire. Ok. Voilà, il y a des choses. Oh, une brebis. Non, là, ils n'auraient pas dû faire ça. Ah bah d'accord. Bah ça alors, ça a des bras, des jambes et le reste. Qu'est-ce que MDR. C'est un cambrio... hobbit. Un cambrio hobbit. Ça se mange, cette chose. Y'a qu'à essayer. Lâche-le. Ouais, qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit... Lâche-le, abruti. Ender. Ok. Essayez de travailler en duo. Tu là? Je ne comprends pas. Voilà.
Voilà. Voilà déjà un. Allez. Voilà. Le deuxième. Et maintenant le troisième. Et voilà le troisième. Troisième. Voilà. Et voilà les trois. Jetez vos armes ou on en fait des miettes. Non. D'accord. Ah, voilà le truc. Oh my god. Cuisiner du nain. Ferme-la. Laisse-le cambriolomobite parler. Le secret pour cuisiner le nain. Oui. Vas-y. Dis-nous le secret. Le secret, c'est de les écorcher vite. Hein? Donne-moi le couteau et filet. Tout ça, c'est rien que des bêtises. Allez. J'en ai mangé tout un tas avec leur peau. Pour les bouffer avec leurs bottes et tout et tout. Ok, je prends le genre. Allez, je vais tous les libérer. Il y a plein de vers dans les voyaux. En fait, ils ont tous des bêtes. Ils sont infestés de parasites, c'est une horreur. J'ai des parasites gros comme mon et moi, bras. Les plus gros parasites, c'est j'ai aussi des parasites. Comme c'est mon... Oui, j'en ai partout. Oui. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'eux? On les laisse tous s'en aller? Hein? Eh bien, tu crois que je vois pas ce que tu mijotes? Cette petite fouine. Tu prends tous pour des andouilles. Et...
Terre. Ça? Ça, c'est la sauvegarde. Ça, ça pourrait. Voilà. On construit. Ok. Ok. D'accord, là ça construit très vite. Pas au calme. Ah, ok. Ouais, vas-y. C'est qui ça? Aucune idée. D'accord. Ender. Ah bah d'accord. Ben voilà, les trois trolls sont HS. Oh, enlève ton pied de mon dos! Ton rôti. Donc je laisse la cinématique, mais ça va être la fin juste après. Depuis quand les trolls des montagnes s'aventurent-ils si loin au sud? Oh, pas depuis un âge, quand une puissance maléfique régnait sur ces contrées. Ils ne peuvent avoir voyagé de jour. Ne passerait pas. Et là, de toute façon, ça va être la fin. J'attends que le chargement se fasse. Alors, normalement, sauvegarder et quitter. Voilà. Je sauvegarde et je quitte. Je te le dis. Voilà, donc ça va être la fin. Et puis moi, de ma part, je vais vous dire à bientôt.